Alors, avec le bouclier, là c'est vraiment le même mouvement qu'un direct du gauche à la, à la boxe. Donc si vous savez euh, boxer, vous, sa vous savez utiliser euh, votre bouclier a priori. Quoi. Donc là, euh, contrairement à un fauchon, vous pouvez vous pointer sur la liste avec juste un fauchon ou euh, une épée ou je sais pas quoi, vous pouvez vous battre avec juste une arme. Vous pouvez pas vous battre avec seulement un bouclier et rien dans l'autre main. Donc, vous serez toujours avec deux trucs. Ce qui fait que l'utilisation du bouclier est toujours complémentaire de ce que vous aurez euh, dans votre main droite ou votre main gauche si vous êtes gaucher. Et le bouclier, il vous aide d'une part à vous protéger des coups des autres, surtout quand ils ont des armes d'astes, hein, les, les grands trucs comme ça qui font très très mal. Euh, si vous êtes coincé contre une barrière et qu'un type arrive pour vous maraver avec ça, si vous avez votre bouclier, ça peut vous sauver. Si vous n'avez rien, vous allez les prendre. Euh, vous essayez de vous couvrir avec votre bras et tout, il peut vous péter le bras. Moi dernier tournoi, je me suis fait percer euh, mon... Euh, ma pièce d'armure d'avant-bras par exemple, par une arme comme ça. Vous avez vraiment deux positions. Vous pouvez être avec votre jambe avant à l'avant, la jambe arrière comme ça, et donc vous allez être comme ça. C'est là que vous allez avoir le plus de puissance pour vos coups de fauchon, où vous allez mettre le coup que je vous ai montré tout à l'heure. Et à ce moment-là, vos coups de bouclier, ce sera ce qu'on appelle des jabs à la boxe, c'est-à-dire c'est des petits directs comme ça, qui vous permettent de garder l'autre à distance, de le gêner, et aussi bah, de vous mettre en position, vous, pour avoir votre fauchon bien armé derrière dans la position parfaite parce que quand je suis là là je suis pas armé je suis pas en position il faut que je fasse ça pour taper et en fait c'est tout naturel quand vous faites ça pour faire ce mouvement là correctement c'est à dire vous faites ça vous mettez tu vois des, des petits directs comme ça et ben bah, automatiquement en fait vous arrivez en position de frappe donc vous enchaînez directement ici tout à fait naturellement et avec la puissance maximale donc en fait quand on se bat euh, surtout en 5 contre 5, où on s'en fout de prendre des, des petits coups ou quoi, le but c'est de taper plus fort que l'autre et de, de le défoncer le plus vite possible. On, est, on enchaîne comme ça. Donc là vous le remettez à distance et vous le sonnez un peu, parce qu'un coup de bouclier ça vous écrase complètement votre casque contre la gueule. D'où ce que j'ai au nez là par exemple encore, qui date d'il y a encore quelques semaines. Mais donc les coups de bouclier ça fait très très mal. Ça fait parfois plus mal qu'un coup de, de fauchon. Parce qu'un coup de fauchon peut être absorbé par votre armure, tout ça. Autant un coup de bouclier, ça n'abîmera jamais votre armure. Mais euh, si c'est un mec qui est très lourd et tout qui vous le met, euh, ça vous plaque complètement la visière contre la gueule. Et vous, ça vous fait complètement partir en arrière. Et les boucliers ne se mettent qu'au visage ou si un mec a les bras levés dans les côtes flottantes. Mais dans les jambes, vous n'allez jamais taper avec votre bouclier, ça ne sert absolument à rien. Alors qu'au fauchon, si, ça fait mal. Le fauchon, lui, il sert à casser l'armure de l'autre, et il sert à vraiment euh, lui faire sentir les coups en fait. Un coup de bouclier sur l'armure, vous ne le sentirez pas. Un coup de fauchon, par contre, ça va plier votre armure, et vous allez le sentir quand même un petit peu. C'est comme ça qu'on a des bleus et tout ça. C'est parce que les, les, les coups de fauchon, ils, ils font quand même un impact. Vu que c'est métal contre métal, là, vous le sentez. Quand vous prenez un coup de fauchon dans le casque, ça fait une onde de choc qui va se, se répercuter quand même dans votre tête. C'est comme ça que les, les coups, ils peuvent faire mal. Alors qu'un coup de bouclier, ça ne fait pas tant une onde de choc dans votre casque, mais ça va vous l'écraser contre la gueule et ça va vous, vous projeter en arrière. Donc vous allez être complètement déséquilibré ou sonner ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment redoutable. C'est pour ça qu'en BO, on a aussi des boucliers qui ont beaucoup d'allonges à l'avant et tout. Parce que le bouclier est vraiment une arme. Il faut vraiment l'utiliser. C'est vraiment ce que je vous montrais, c'est gauche-droite. Il faut mettre les deux. Et des fois, vous allez arriver... Euh, vous allez mettre le plus gros coup de bouclier que vous pouvez dans la gueule du type et pour ça vous allez devoir être dans l'autre garde c'est pas comme ça parce que là vous avez moins de puissance là la puissance elle est dans votre bras qui est à l'arrière et là c'est pareil là vous allez avoir toute la puissance là et donc là votre but ça va être d'envoyer tout le corps comme ça en avant pour que tout votre poids arrive dans la tronche du type et qu'il soit complètement la tête comme ça et qui qu se couche quoi donc je remonte le mouvement quand vous êtes ici hop c'est des petites jabs, vous pouvez en mettre plusieurs hein. mais en général, on apprend à enchaîner, comme ça. Vous voyez et c'est fluide parce qu'à chaque fois, vous vous retrouvez dans la position où l'un et l'autre est armé. Donc ça s'enchaîne avec, euh, avec fluidité. Ou si vous êtes là aussi, ça, vous pouvez vous entraîner à faire ça, c'est euh, j'assomme le type. C'est je mets le plus gros coup que je peux avec tout mon poids. Et donc là c'est pareil, c'est vous allez chercher en arrière tout votre corps voilà, et pivote pour, euh, vous voyez, encore le pied qui est levé, comme je vous montrais tout à l'heure et tout ça, et vous mettez tout votre poids dans la gueule du type.